Père, c'est Père. Seigneur Jésus, que tout honneur. Merci, merci. Que toute la gloire. La puissance te soit infinie, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour quelques minutes? Sera bienvenue, ma bien-aimée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. 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 Oh, mes chéris. Grand-mère. God bless you. Que le Seigneur te bénisse. Je pas que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur nous fasse du bien en ce jour encore. Souvenons-nous que ce sont ces réunions. Amen. Ce sont ces réunions. Rien n'est préparé d'avance. Mais lui prépare d'avance. Amen. Mais tout ce que nous avons besoin, c'est de nous abandonner au Seigneur pour qu'il puisse nous conduire. Amen. C'est tout ce que nous avons besoin pour le moment. Lorsqu'on priait, quelque chose est venu sur mon cœur. C'est un questionnement. Pourquoi est-ce que lorsque le Saint-Esprit est descendu dans Actes des Apôtres chapitre 2, pourquoi est-ce qu'il se réunissait chaque jour? Méditez-y. Méditons ensemble. Souvenons mes bien-aimés. Pourquoi il se réunissait chaque jour? Souvenons-nous le don que le Seigneur nous a donné pour chacun d'entre vous. Son esprit t'a donné comme don. Si nous sommes tous d'accord et vrais avec nous, nous allons constater lorsqu'on s'éloigne de l'intimité, on s'éloigne de sa sainte présence, c'est comme si nous sommes vides. Vous croyez que pourquoi est-ce qu'ils se réunissaient chaque jour? Ils avaient constaté ça. Ils avaient constaté que lorsque ils font un jour, ils ne sont pas dans cette atmosphère-là. C'est comme si on avait tout pris en eux. Je ne sais pas si vous suivez, vous comprenez. C'est comme si je n'ai pas de venir en assemblée. Je n'ai pas d'être dans sa présence. Tant que tu n'es pas dans sa présence, c'est comme si on t'avait enlevé un gros truc en toi. Et ça fait en sorte que lorsque ils ont identifié, ils ont constaté que non, lorsque je viens chaque jour, je suis toujours rempli et je suis en bon point. Ça les a galvanisés. Ce n'était pas une instruction que la réunion se passe chaque jour. Mais ils avaient palpé ça, le bienfait d'être en sa présence. Ils avaient goûté ça. Ils avaient expérimenté le psaume 133, qu'il est beau, qu'il est doux aux frères de demeurer ensemble. C'est alors que des bénédictions descendent. Ils avaient palpé ça. Quand on dit qu'ils se réunissaient chaque jour, et les gens avaient des biens, et les gens nourrissaient leur famille, et ces gens ne travaillaient pas. C'est-à-dire que malgré leur travail, malgré n'importe quoi ils faisaient, ils avaient quand même le temps et une heure où est-ce qu'ils devaient se réunir. Et souvenez-vous que c'était le réveil. Vous avez vu le réveil en Amérique récemment, c'est là. C'est ce qui s'est passé en Amérique là. Vous voyez que quand d'autres viennent, d'autres rentrent. Dans tout moment, il y a des gens. Vérité. Quand d'autres viennent, d'autres rentrent. À tout moment, il y avait des gens. Qu'importe, parce que moi, je regardais en direct, les vidéos en direct. Ça fait en sorte que je regardais voir à tout moment, il y a des gens. À tout moment, il y a des gens. Ça veut dire que quand d'autres rentrent, d'autres viennent. Constamment, le lieu était saturé. Constamment, le lieu était saturé. Pourquoi est-ce qu'ils se réunissaient chaque jour? C'est un point qu'il faudrait que toi, de manière personnelle, tu examines. Sinon, tu risques d'être en sa présence. Tu vois, tu es chargé. Mais lorsque tu rentres,
à cause de ton entourage, ce que tu fais, tu vois, moi, tu es vide. Et lorsque tu reviens dans sa sainte présence, pour reprendre les dents, c'est difficile. Vous suivez, non, mes bien-aimés. C'est pour dire quoi? Nous devons garder le dépôt qui nous a été donné. On ne garde pas ça n'importe comment. C'est dans le secret et c'est dans l'intimité qu'on le garde. Sinon, chaque fois, on va se sentir comme des personnes qui n'avancent pas. Et c'est vrai, et nous n'avançons pas. Parce qu'en lui, on finit fait pour grandir et pour croître. Lorsque tu restes comme ceci là, tu sais que tu passes une journée, tu n'es pas dans sa présence. C'est-à-dire, même à la maison, tu restes comme ça là, tu prends ta Bible, tu lis, tu chantes des cantiques, tu es seul. Tu as créé ton amour ça hein, à toi-même, toi et le Saint-Esprit, seul. Tu vois, quand tu es dans cette présence là, c'est comme si il y a quelque chose. Mais lorsque tu n'es pas dans cette atmosphère là, lorsque tu n'es pas soit ici, soit ni à la maison, ni ici là, tu te sens vide. Concentre à pas enlever quelque chose. Mais lorsque tu viens, c'est difficile. Quand tu viens, c'est difficile que tu reprennes dedans. Or, si tu as cette atmosphère là, chaque jour, la même là, tu goûtes la présence du Seigneur bonne. Tu veilleras à ce que rien ne puisse séparer. Même si c'est n'importe qui vient chez toi, qui veut t'amener dans une direction qui n'est pas dans cette direction. Je dis que mon frère, ça reste ici là. Moi, je vais sur mon dépôt. Si tu ne veux pas veiller sur ton dépôt, tant mieux. Chacun doit veiller sur le dépôt. Souvenons-nous que lorsque le Saint-Esprit vient, il vient, c'est un don. Il ne vient pas, ce n'est pas l'interrupteur qu'on allume, on éteint. Il entre son. Non. On l'attriste, on l'éteint. C'est ça, non, mes bien-aimés. Amen. Ce n'est pas l'interrupteur qu'on fait off. On met on. Non, ce n'est pas ça. On l'attriste, on l'éteint. Et la tristesse du Saint-Esprit, ça entre dans tout ce que nous faisons durant la journée. Le style de choses que nous faisons. Le style de lieu que nous nous trouvons. Le style de commentaires que nous faisons. Tout ce qu'on fait durant la journée, ça attriste le Saint-Esprit. Tu peux rester comme ça, même si tu as tout, tu as bien mangé, tu as tout fait. Mais au fond de toi, tu ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même si tu ne manques rien, tu ressens qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand tu entres dans ton lieu secret, tu pries, tu ressors. C'est comme si tu as résolu tous les problèmes du monde aujourd'hui. C'est comme si tu avais résolu tous tes problèmes. Parce que lorsque le dépôt est là, nous devons veiller sur le dépôt. Tant qu'on ne veille pas, on aurait toujours des problèmes. Au lieu d'avancer, au lieu d'aller persévérant, on viendra. Difficilement on va encore se connecter. Difficilement on va se connecter vu d'où nous sortons. Vous suivez un peu, non, mes bien-aimés? Difficilement on doit se connecter. Mais si peut-être durant la journée, toute ta journée, c'est en communion avec le Seigneur, lorsque tu viens en assemblée, pour que le Saint-Esprit se manifeste avec toi, c'est du tic au tac. Mais lorsque tu sors dans des bruits, dans la distraction, et que tu veux venir dans sa sainte présence, il serait difficile. La connexion n'est pas bonne. Parce que lorsque tu viens dans sa sainte présence, ceux-là qui se réunissaient chaque jour, leur homme intérieur était toujours connecté. Quand ils arrivaient comme ça, si chacun est dans sa position, qu'il arrive comme ça, là, il ne faut pas 10 heures de temps pour que le Saint-Esprit il soit connecté. Il ne faut pas 10 heures de temps. Parce que chaque jour se réunit. Quand il quitte ici, il arrive chez lui, il prie. Après, il prie, il vient en assemblée. Il se met comme ça. Là. Quand il se met derrière ce poisson, la nuit vient sur lui. La nuit vient sur lui. Mais une autre personne va venir comme ça. Là. Il va faire une heure de temps seulement pour observer la vie de chacun. Regardez. Après, une heure de temps pour regarder. Après, le temps là, tout ça, c'est parce que la personne cherche comment on va se connecter. Il faut d'abord que l'ennemi lui lâche. Tant que l'ennemi ne lui est pas lâché, parce que quand il regarde la Bible, il fait ça, il croit que il a encore. Oh, c'est l'ennemi qui le manipule comme ça. Parce que lorsqu'on est sorti, on est sorti, la puissance des ténèbres nous accompagne. Souvenons-nous, il y a des enseignements sur Bamba Iba qui ont été dits depuis des années. Et il faudrait que nous écoutons. Vous suivez, non, mes bien-aimés? Il faudrait écouter l'enseignement. Est-ce que le chrétien peut-il être possédé? Et sur Bamba Iba, non, depuis des années, non. Réécoutez cet enseignement. Vous devez garder le dépôt. Vous suivez mes bien-aimés.
vous devez garder le dépôt. Cherchez cet enseignement pour réécouter. Quand vous allez écouter, vous allez comprendre que si vous ne gardez pas le dépôt, quoique vous n'aurez pas ce problème de possession, mais les puissants des ténèbres vont vous suggérer des choses. Vous serez même, vous commettrez même des choses plus pires que lorsque vous étiez possédé avant dans le monde. Parce qu'on a dit que lorsque le Saint-Esprit vient, il enveloppe ton âme. Le péché n'habite plus. Mais maintenant, il peut te suggérer des pensées. Écoutez bien. Il peut te suggérer des pensées. Il te bombarde des pensées. Il te bombarde, il te bombarde. Parce que le péché n'habite plus en. Tu n'es plus à l'intérieur. Mais il est maintenant à l'extérieur. Quand tu ouvres une porte, il te bombarde, il te bombarde, il te bombarde. Et tu commets même les choses plus pires, même parfois, même que lorsque tu étais même dans le monde. Pendant ce temps, le Saint-Esprit est là. Et là, tu l'attristes. À un moment, il s'éteint. Il ne parle plus. Raison pour laquelle vous pouvez voir quelqu'un qui avait le Saint-Esprit au point de prendre la femme de son père. L'apôtre peut dire que des choses que même dans le monde on n'entend même pas. Pourtant le Saint-Esprit est là. Donc mes bien-aimés, que chacun puisse, en fonction de la grâce et de la force que le Seigneur lui donner de veiller sur le dépôt. Vous suivez, non mes bien-aimés? Veille sur ce que le Seigneur t'a donné. Sinon tu vas tout te sentir vide. Tu vas tout te sentir comme si tu n'as rien. Oh, c'est en toi. Et ça va penser que il était dit que ça, c'est le moment de la manifestation des dons. Lorsque tu serais dans les cas, devant les cas, le fait que tu te sens vide, ça crée d'abord un obstacle à la manifestation des dons. D'abord. Mais si tu es grand, tu es toujours chargé. Même s'il y a des cas, même si tu sors que de la cuisine, comme ça, tu es en train de préparer, on dit qu'il y a un cas. Comme tu arrêtes de garder, tu commences seulement. Parce que tu es toujours chargé. Mais si ça fait deux jours, même la Bible ne t'a pas touché. Deux jours, même ton genou n'a pas fléchi. Je ne sais pas du moment. Il serait difficile. Pas que le Saint-Esprit n'est pas là. Il serait difficile que tu déboires. Parce que tu vas te sentir vide à l'intérieur. Parce qu'il s'entretient. Il se nourrit. Vous suivez, non, mes bien-aimés? Amen. C'est ce qui est venu sur mon cœur. Qu'est-ce qui a poussé ces personnes-ci? Qu'est-ce qui leur poussait à se réunir chaque jour? Dans des maisons et dans le temple. Dans des maisons et dans le temple. Ils ont constaté que le Seigneur les a donné un don précieux, une lumière. Quand ils se sentaient bien à l'intérieur, ils ont dit que non, quand c'est tellement beau ça, on veille, on protège. Ils veillaient à ce que le Seigneur, ils s'entretenaient avec le Seigneur, ils veillaient à ce que les portes ne s'ouvrent pas pour que l'ennemi leur bombarde des pensées. Le bombarde de découragement, le bombarde des questionnements. Quand on dit que Seigneur, que le Seigneur ne permet pas qu'on nous bombarde des pensées. La moitié des pensées sont là parfois parce qu'on a ouvert des portes. Parce que si tu es dans sa sainte présence chaque fois, tu es là, tu pries. Même quand tu avais un frère, c'est, vous êtes en train de parler des choses de Dieu. Vous êtes en train toute ta journée, c'est seulement comme ça là. Il serait difficile. L'ennemi ne doit pas avoir accès là-bas. Mais lorsque tu as laissé des pans durant la journée, ça c'est vraiment un problème. Vous suivez, non, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous donne la force de veiller sur cela. De veiller durant des journées sur ce que nous faisons, le lieu où nous trouvons, les commentaires que nous faisons. Que le Seigneur nous donne de veiller. Et si nous avons encore des faiblesses quelque part, nous demandons au Seigneur pour qu'il puisse nous fortifier. Nous demandons au Seigneur que, Seigneur, tu sais, j'ai des faiblesses à ce niveau-là. Seigneur, fortifie-moi. Fortifie-moi. Pour que le dépôt soit toujours entre eux, entretenu. Vous suivez, nos mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai besoin du document prophétie 2024. Merci. Y a-t-il des sujets de prière? Quelqu'un a-t-il des sujets de prière qui voudraient qu'on élève? Quels sont ceux qui ont appris leur programme de main, de la main? Ok. C'est tout d'abord avec vous, Seigneur. Les instructions sont dans... Vous avez écouté les instructions, non? C'est un programme d'un jour.
On doit prier pour que le Seigneur marque de sceau dans nos familles, ceux qui appartiennent. En ce qui concerne l'instruction de la marque de la main, c'est une partie, comme j'ai dit hier, que nous allons travailler aujourd'hui, et c'est sur ce document-ci. On a dit que ce sont les prophéties de 2024, nous sommes encore en 2024, nous devons veiller à ce que ceci là nous puissions mettre en pratique. Il ne faudrait pas qu'on prenne cela à la légère. Nous sommes d'accord, non, mes bien-aimés. Amen. Nous allons lire le dernier titre, le but de ces instructions. Donc, bien-aimés, si tu y es, on va aller pour que nos bien-aimés puissent écouter. J'ai dit hier qu'on doit travailler avec le drapeau. On va parcourir le pays aujourd'hui par rapport à ceci. Parce qu'il est question ici de prier. Actuellement, ce que le Seigneur a accordé le don, le Saint-Esprit, il nous a donné le don. Maintenant, il est temps pour nous que nous puissions exercer ça lorsque le Seigneur va nous diriger. Parce que c'est lui qui nous dirige. On ne s'aidait pas de nous-mêmes pour aller. Vous suivez, non, mes bien-aimés. On ne s'aidait pas pour aller. Le Seigneur te dirige quelque part. Ou bien le Seigneur fait venir les gens vers toi. Quand les cas viennent, il n'a plus question de raisonnement. Qu'attends d'abord, il m'en va d'abord chercher la face du Seigneur pour savoir si le Seigneur. Non, non, non. Quand c'est venu, c'est que le Seigneur a conduit. Ce n'est pas l'homme lorsqu'il marche de diriger ses pas. Quelqu'un ne peut pas se lever, parcourir des distances, traverser l'hôpital, traverser les conseillers, les développements, ses développements personnels, ceux qui vont donner des conseils. Pour venir te voir que ma soeur, voici mon problème. Qu'elle vienne comme ça vers toi pour dire voici mon problème. Elle a besoin d'une parole de toi. Ce n'est pas toujours dire la prière, même les conseils. Nous voulons que le Saint-Esprit vient à nous avec tout ce qu'il y a dedans. Amen. Le Saint-Esprit qui est en nous a tout ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas seulement la prière, ce n'est pas seulement le jeûne, ce n'est pas seulement ceci-là, mais même les paroles. Quelqu'un vient aussi, il a un problème. Tu te tournes au corps, tu donnes seulement un seul conseil, ça décante tout. Un seul conseil, ça décante tout. Donc, c'est que si je marche comme ça, je me trouve quelque part et il y a des cas, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse en ce lieu? On interroge toujours. Les hommes d'accueil, j'ai tout dit, notre vie d'intimité qui est à la maison doit se déporter dans notre cœur. Travaillons, amplifions, accélérons là-bas pour que ça ne reste pas à la maison. Parce que la manifestation des dons, c'est à l'extérieur. Il faudrait que lorsque nous sommes à l'extérieur, que ça soit déjà tabernacle dans nos cœurs. Vous suivez, nos mes bien-aimés. Accélérons cela, travaillons c'est ça. Quand on dit la vie d'intimité, ça veut dire comment discerner la voix du Seigneur. C'est qu'hier j'étais en train d'expliquer ici, si, lorsqu'on est en train de partir. Ce n'est pas l'homme lorsqu'il m'a dit que c'est pas. C'est pas que le Seigneur, oh toi, lève-toi, tu partais dans l'endroit. Non, 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 non. Tu vois seulement ça, des pensées te viennent comme ça. Il te suggère des pensées. Fais ci, fais ça. Déplace-toi, va saluer tes soeurs, va voir tes frères, va voir ceci là. Quand tu arrives, tu dis que, hey, tu te poses la question pourquoi le Seigneur a permis que tu sois là. Si c'est il faut prier, vous priez. Si vous, il faut vous encourager, vous encouragez. Vous n'aurez plus peur d'aller rendre visite à vos familles qui n'ont pas cru. Ça, c'est l'occasion. Vous suivez, non, mes bien-aimés. Si ta personne n'a pas cru, tu es sur ça, tu dis que avant tu avais peur. Ça, c'est l'occasion de ne plus. C'est l'occasion d'aller s'asseoir. Mais si c'est que voici le trône, voici son serpent ici, là, sa carcasse ici, tu t'assois ici à côté, toi, tu regardes, vous regardez comme ça là. C'est le moment de cela. Parce que si tu as toujours peur comme avant, on te dit que non, il y a telle chose au village. Tu dis, non, je ne peux pas mettre plus au village. Ça, c'est au moment d'affronter. Lorsque le Seigneur te dit, pars, tu pars et tu affrontes. Parce que souvenez-vous, n'oubliez pas ceci. Tu fais un peu et il fait grand. Ouais. Tu fais un peu et il fait grand. N'oubliez pas ça. Tout ce qu'il a besoin, c'est que lorsqu'il dit, lève-toi et pars. Tu fais seulement, tu obéis seulement à ça. Arrivé là-bas, seulement le fait que tu es là. Ta présence, là, ça sature. Les ongles sortent et ça dérange les gens. Il fait un peu. Tu fais un peu, il fait grand. Tu fais juste un peu, tu fais grand. Tu obéis juste à l'instruction et il opère le reste. Jusqu'à toi, mon côté, tu dis, hey, tu es toi-même étonné. N'oublions pas cela, mes bien-aimés. N'ayez pas peur. Si quelqu'un dit que non, voici, si le Seigneur te met à cœur, que ouais, je vais aller assister telle personne. Il dit, avant, il n'a pas cru. Ce sont les païens, ce sont les ceci-là. Ce sont ces mêmes païens que ceux-là qui vont nous dévancer. Et quand on dit revêt, c'est-à-dire que ce sont ces païens-là que vous voyez monter, les gens qui vont entrer ici-là. Ils vont entrer ici-là. Donc chacun doit jouer son rôle. Vous suivez, nos mes bien-aimés. Et les hommes aussi doivent jouer leur rôle.
C'est qu'on a dit à Timothée, prêche l'évangile à toute occasion, favorable ou non. Vous croyez qu'on a dit ça à Timothée pour quel jour? Quand Timothée restait comme ça là, il ne veut pas savoir s'il est au marché, il est à l'hôpital ou bien il est ceci là. Quand il arrive comme ça là, quand vous organisez, vous commencez votre débat, il transforme votre débat en évangélisation. S'il arrive un endroit où vous êtes en train de parler de football, vous continuez à parler, il commence à apprendre que non, même dans la Bible, on a parlé des alertes. Il pense dans tout nos comme ça, vous voyez que vous êtes dans l'affaire de Dieu. C'est ça, occasion favorable ou non. Quelqu'un peut rester aussi, parle, ne l'étouffe pas. Mais dis seulement, Seigneur, le Seigneur te donne la sagesse. Tu penses ce qu'il est tenté de dire et tu lui fais revenir dans la parole que voici, c'est ici là. C'est comme ça. Les gens vont dire que non, le football est satanique, c'est si satanique. Même à leur époque, il y avait le football. Quand on parle des athlètes, c'est qu'à leur époque, il y avait des athlètes. Mm-hmm. C'est une distraction. Vous suivez nos bien-aimés. C'est-à-dire qu'on doit juste user de sagesse lorsqu'on est autour de ceux-là qui n'ont pas cru. C'est que le Seigneur, parce que lorsque peut-être quelqu'un vient vers toi, tu es dans un endroit, le débat qui est là-bas est sous le contrôle du Seigneur. Vu qu'il a mis un signe là-bas, le débat qui est là-bas est sous son contrôle. Le style de débat qui est là-bas est sous son contrôle. Il faut juste une parole de toi qui va décanter la situation. Une parole de toi qui va réorienter les choses. Une seule parole de toi. Mais à l'intérieur, il faut mettre la sagesse. Et le Saint-Esprit, le don qui vient, il vient avec ce don-là, la sagesse. Parce que le Saint-Esprit, d'abord, c'est lui-même aussi là, la sagesse. La sagesse ne crée-t-elle pas dans les carrefours? Elle ne fait-elle pas entendre sa voix? C'est ce que le livre de Proverbes nous dit. C'est que le Saint-Esprit est la sagesse, c'est lui la sagesse. Donc, souvenons-nous que nous n'avons plus avoir peur de ces gens-là, d'être traités de ceci. Non. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Raison pour laquelle, lorsqu'on dit, on a fait prendre ce programme de la mort, c'est-à-dire que cette famille-là, le Seigneur passe dans ta famille. Tous ceux qui sont devant les cannes, malgré qu'ils sont devant les cannes actuellement, le Seigneur passe, il regarde qu'on a intercédé pour toi, il met pap. Elle est devant le cannes, le Seigneur fait pap. Il met le cachet. Mais pendant ce temps, tu as fait une œuvre sur le plan spirituel. Mais physiquement, ils sont encore là. Lorsque le réveil vient, il n'a pas de chaîne sur son cœur. Elle veut même raisonner. Le raisonnement tombe parce que bien avant, on a pris la victoire. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant ce soir sur tout l'étendue du territoire. Pour que lorsque vos maris, c'est-à-dire les femmes des serviteurs, souvenez-vous, lorsque j'ai tout pris cet exemple de notre bien-aimé frère Junior. Quand il reste comme ça, il dit que personne ne touche sa femme. C'est parce que lorsqu'il est dehors, sa force, c'est ça, c'est sa femme, l'intercession. C'est ça sa force. C'est ça son aide dans le ministère. L'aide n'est pas dans la tâche du talent. L'aide, c'est dans le don. Parce qu'il y a la différence entre le don et le talent. Le talent, c'est ce que le Seigneur t'a donné pour que tu puisses nourrir ta famille. Or, le don, c'est ce que le Seigneur te donne poussé par le Saint-Esprit. Tu peux avoir le talent depuis même ta jeunesse, le talent de faire quelque chose. Mais le don vient au travers du Saint-Esprit. Et elle vient être ton aide dans le don que le Seigneur te donne, la mission pour laquelle le Seigneur t'envoie sur la terre. Donc, si nous voulons voir nos maris utilisés, être utilisés de manière puissante, il faudrait que tous les lieux que le Seigneur lui ait donné dans son agenda, ce Seigneur lui a dit, je t'appelle au Cameroun et tu vas travailler dans la région du Nord et de l'extrême Nord uniquement. Il faudrait que avant même qu'il entre dans son ministère, que le cœur des gens du Nord et de l'extrême Nord soit ouvert à l'évangélisation. Là, tu as la prière, n'avance sur eux. C'est ce qu'on doit faire. Vous suivez nos bien-aimés. Lorsque vous arrivez, les esprits qui viennent avec le raisonnement, les esprits qui viennent ici avec les esprits des pharisiens, des sadducéens, que tu as consumé cela et que le cœur est disponible pour le réveil. Lorsque peut-être toi, tu serais au milieu de ta famille, il y aurait une réunion familiale comme ça, là, ou bien un endroit, un mouvement au village, on t'a mis comme ça là. On va te prendre en charge. Comment te prendre en charge? Si tu as prié, lorsque tu vas rester, ils vont bien te bombarder, tu vas rester calme. Quand le Seigneur m'a mis ce qu'il a mis, lorsque tu pars, tout le monde obéit. Même les riches obéissent. Pourquoi? Parce que bien avant, tu avais appris la victoire sur le cœur. Mais tant que ce travail n'est pas fait en amont, c'est probable que tu restes comme ça. Tu veux parler, pas, et ça ne porte aucun fruit. Mais lorsque tu as appris l'autorité bien avant, cette puissance des ténèbres qui vient avec le raisonnement que c'est là, qui écrit la Bible. Toi-même, tu penses quoi? Ce ne sont pas les hommes. Tu vois déjà les raisonnements là. Quand on a appris la victoire, ça veut dire que le cœur de la famille est disposé pour le réveil. Lorsque la parole de Dieu vient, il n'a pas de résistance. On ne résiste pas.
contre la vérité. Donc c'est dans ce sens-là que notre bien-aimé frère Junior dit le programme de l'amour. Et bien avant qu'il ne dise ça, c'est voici c'est encore ici marqué cela. Et nous, c'est ça que je voudrais que nous disons et que nous travaillons sur ça, sur l'étendue du territoire. Amen. Vous suivez nos mes bien-aimés. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Mon bien-aimé, tu peux lire. Le but de ces instructions vise à faire comprendre que Dieu a déclaré une ère nouvelle où il veut faire une œuvre nouvelle. Et à cette œuvre nouvelle, Dieu veut l'intervention à Adam et à Charlie, les intercesseurs. Amen. Vous comprenez? Amen. L'intervention à Adam et à Charlie, des intercesseurs. Et souvenons-nous, tout le corps de Christ, ce sont des intercesseurs. Tout le corps de Christ, ce sont des intercesseurs. Tout le corps de Christ, nous sommes des intercesseurs. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que non, c'est ça, non. Nous sommes d'abord tous des intercesseurs. Adam est acharné. C'est pour regarder la détermination dans laquelle le Seigneur voudrait qu'on puisse dévancer la puissance des ténèbres pour le réveil. Avec une détermination. Adam est acharné. Oui, mon bien-aimé. Vous comprenez qu'à fin de compte, les trois premiers points vous demandent de quitter le monde pour vous consacrer au service du réveil. Parce que si vous voulez intercéder avec ces choses-ci, les esprits qui sont derrière ces choses que vous servez vont vous affliger. Ceci veut dire clairement que Dieu nous appelle à tous à l'intercession. Le problème d'intercession. Ah, mais on peut s'arrêter là-bas. Mm-hmm. Il est tenté de dire que pour qu'on puisse entrer dans l'intercession concernant ça, il faudrait que les choses que tu veux condamner là-bas ne soient pas en toi. Amen. Suivez bien, mes bien-aimés. Ça veut dire que si tu veux t'élever contre l'esprit de raisonnement, contre ces gens-là, rassure-toi que toi-même, tu n'es pas une personne qui raisonne. Si tu veux te laisser contre les... Parce que souvenez-nous, lorsque les disciples, les apôtres passaient le temps à prêcher, lorsque les pharisiens venaient, c'est que le raisonnement est que non, tu fais ce que tu fais, ils faisaient ça des comparaisons. C'est que les dénominations font mettre à cela. Non, que chez nous, voici, d'après nous, voici notre doctrine. Donc, chez nous, notre père spirituel a dit que ça, c'est le raisonnement. Il dit que donc, pour aller contre l'esprit, parce que c'est un esprit. Parce que l'apôtre peut dire, c'est qu'il y a des gens qui annoncent l'évangile pour des bonnes motivations. D'autres gens qui annoncent l'évangile pour des motivations impures. Il dit que quoi que ce soit pas des bonnes motivations, des mauvaises motivations, la parole de Dieu n'est pas moins annoncée. Et dans tout ça, on a fait la publicité du Seigneur. C'est ce que l'apôtre peut dire. C'est que celui qui est en train d'annoncer avec des mauvaises motivations, est-ce une coupe? C'est un esprit qui l'anime. Quoi qu'en même temps qu'il le fait, il fait la publicité de Jésus-Christ. Mais le problème est que lui, c'est une autre coupe. Pourtant, une autre personne annonce avec des bonnes motivations. Celui-ci est poussé par le Saint-Esprit. Mais celui-ci-là, c'est un fier, un zèle amer, un peu comme Simon le magicien. Je ne sais pas si vous suivez. C'est-à-dire que si quelqu'un reste comme ça, là, quand tu veux t'attaquer à l'esprit de raisonnement, rassure-toi aussi que toi, tu n'es pas quelqu'un qui raisonne. Si tu veux t'attaquer contre l'esprit des familles qui maintient les gens dans le Seigneur, rassure-toi que tu n'es plus quelqu'un qui passe pour s'aimer devant des idoles. Tu ne peux pas attaquer quelque chose tant que tu es à l'intérieur. C'est pour ça qu'il dit que les deux premières parties travaillent à cela, quitter complètement le monde. Oui, mon bien-aimé. Le problème? Oui, le problème d'intercession fera l'objet d'un enseignement spécial. Au cours de cet enseignement, nous irons depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et voir clairement que dans la Bible, tous les chrétiens sont des intercesseurs. Amen. L'intercession est le but de notre séparation d'avec le monde. C'est pour te consacrer totalement à la tâche et au but de l'objectif de cette ère. Souvenez-vous que le réveil n'est pas seulement la visitation du Saint-Esprit. Il y a aussi les préparations de cœur à visiter. Mm-hmm. On va prier pour les gens. Écoutez bien. Qui sont. Oui. On va prier pour les gens. Continue. On va prier pour les gens qui sont dans les
difficulté mm-hmm. pour leur famille, mm-hmm. les gens qui sont dans les péchés, mm-hmm. qui te persécutent, mm-hmm. présenter cela au Seigneur dans l'intercession, pour que quand le réveil vient, ça les visite. Amen. Vous voyez, ça c'est un pan qu'il ne faut pas. Si tu veux être dans ton ministère et que le Seigneur t'utilise puissamment, il faut d'abord précédemment prendre la victoire sur le plan spirituel. Vous suivez nos mes bien-aimés. Donc ça c'est un travail que nous devons faire. Il dit ici, souvenez-vous que le réveil n'est pas seulement la visitation du Saint-Esprit. Il y a aussi les préparations des cœurs à visiter. C'est-à-dire qu'il t'a visité du Saint-Esprit. Il dit que ce n'est pas seulement ça, ça ne se limite pas de ton côté. Il y a aussi la préparation des cœurs que le Seigneur doit visiter. Et c'est pour ça que maintenant, on va préparer des cœurs. Que les cœurs, surtout l'étendue du territoire au Cameroun et même à l'extérieur, mais nous sommes d'abord au Cameroun, soient préparés pour le réveil. De telle sorte, lorsque le Seigneur va envoyer ses serviteurs, qu'importe d'où ils sortent, qu'importe d'un quel côté ils sortent, lorsqu'ils arrivent peut-être dans tel village comme à Samarie, qu'ils soient comme Philippe. Qu'on ne les résiste pas. Quelle qu'en soit la puissance des ténèbres qui s'élève pour venir avec le raisonnement, que cela tombe. Vous suivez, non, mes bien-aimés. C'est dans ce sens-là que nous devons travailler dans cette partie-ci. Et il continue ici en disant que on va prier. Il dit, on va prier pour les gens qui sont dans des difficultés. Souvenons, dans notre propre famille, ça ne nous laisse pas. Autour de nous, ça ne nous laisse pas. Si vous êtes seulement dans un lieu de service, regardez le nombre de vos collègues qui viennent avec des situations, des problèmes dans le foyer, problèmes dans la famille, problèmes des enfants. C'est tout récemment que j'ai suivi un témoin ici que c'est le jour du mariage qu'on a gâté. Quelqu'un a fait une part d'un témoin comme ça ici au milieu de nous. Que c'est le jour, c'était là notre bien-aimée soeur Mireille par rapport à sa collègue. Que c'est le jour de son mariage qu'on lui a lancé cette maladie-là. Regardez comment les gens ont des problèmes, ont des situations. Et il faudrait qu'on prépare les cœurs d'avant pour que lorsque le réveil vient, c'est disponible pour cela. On va prier pour les familles, pour les gens qui sont dans le péché, donc tous ceux qu'on passe le temps à crier mondain, c'est cela. On va prier pour eux. On dit, qui te persécute? Ceux-là qui te persécutent. Souvenez-nous, avant, on ne pouvait pas nous persécuter. C'est maintenant que les vraies persécutions vont s'élever. C'est maintenant que nous entrons là, que les vraies persécutions vont s'élever. Parce qu'on persécute la lumière. On ne persécute pas quelqu'un qui est libre, vide. Si tu es vide, c'est que ce sont les souffrances, les petites tribulations que le Seigneur, que nous, nous tous, on va passer par là. Mais maintenant, lorsqu'on persécutait, on persécutait Étienne, on persécute la lumière, c'est-à-dire le Saint-Esprit que le Seigneur t'a donné. Donc, c'est maintenant que les vraies persécutions vont s'élever. C'est maintenant que les vraies persécutions s'élèvent. Il dit, présentez cela au Seigneur dans l'intercession pour que quand le réveil vient, cela leur dise. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous voyez que ça c'est un pan qu'il ne faudrait pas qu'on oublie. Et je rends grâce au Seigneur que ici nous travaillons avec ce document-ci. Et nous devons surveiller parce qu'on a dit ce sont les prophéties de 2024. Vu qu'on a, il a été dit, qui m'adosse ici, vu qu'il a été dit que la portion de Yahoudé est grande, raison pour laquelle le Seigneur voudrait aussi qu'on verse toutes ces instructions. Parce que c'est instructions et prophéties. On doit verser ces instructions. C'est que demain, lorsque nous sommes dans la portion, que chacun de vous êtes dans la portion de Yaoundé, qu'il y a d'ailleurs une victoire d'avance. Amen. Vous suivez, non, mes bien-aimés, qu'il y a une victoire d'avance. Donc, disposons-nous maintenant, vous comprenez. Nous allons nous prosterner et demander pardon au Seigneur. Quel qu'en soit, parce qu'on a dit qu'il ne faudrait pas t'élever contre une puissance des ténèbres que toi-même tu as à l'intérieur. Et c'est le Seigneur qui sonde les cœurs et qui sonde les reins. Vous suivez, non, mes bien-aimés. Nous allons prier avec le drapeau de notre pays, comme en guerre en octobre. Que le Seigneur vous fortifie vraiment. Que le Seigneur vous fortifie vraiment. Amen. Nous allons nous prosterner et demander particulièrement pardon au Seigneur. Demander particulièrement pardon au Seigneur pour toutes nos erreurs, pour toutes nos fautes. Pour tout ce qu'il reproche au monde et que nous avons ça en nous. Amen. Amen. Que nous avons encore ça en nous. Demandons au Seigneur pardon. Demande au Seigneur pour toi. Tout ce qui est dans ta famille comme idole.
que le Seigneur reproche et que tu sais que parfois ce caractère-là est toujours en toi. Demande au Seigneur pardon pour cela. Demande au Seigneur que son sang te sanctifie, que ton sang te purifie de cela. Père, nous voici au devant de toi, Père. Nous venons au devant de toi, Père, implorer ta grâce et ta miséricorde. Nous venons implorer ta main puissante, Père, dans nos vies. Enfin, Père, de te demander pardon. Oui, Seigneur Jésus, Père, nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait, tout ce que tu reproches dans nos familles, pour tout ce que tu reproches dans le monde et qui est encore en nous, ou bien qui manipule encore nos membres, Père. Père, je viens implorer ta grâce et ta miséricorde afin que tu puisses nous pardonner. Oui, Père, viens nous pardonner, Seigneur Jésus. Viens pardonner mon frère, viens pardonner ma soeur ce soir, Seigneur. Pardonne-nous, Père, mon Dieu, mon roi, Père. Je ne peux qu'implorer ta grâce et je ne peux qu'implorer ta miséricorde. Père, viens nous pardonner, Père. Que ton sang parle en notre faveur. Que ta grâce et ta miséricorde reposent sur nous, Jésus-Christ de Nazareth. Père, je ne peux qu'implorer ta grâce. Je ne peux qu'implorer ta miséricorde, Seigneur. Père, Seigneur, pardonne-nous, Père, pour tout cela, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Père, si se trouve encore en nous n'importe quelle souillure, n'importe quel caractère. Père, Seigneur Jésus, Père, j'implore ta grâce, Père, que ta miséricorde parle en notre faveur. Que ta miséricorde parle en notre faveur. Que ta miséricorde parle en notre faveur. Oh, Seigneur Jésus, que ta miséricorde parle en notre faveur. Je ne peux qu'implorer ta grâce. Je ne peux qu'implorer ta miséricorde. Je ne peux qu'implorer ta main puissante, Seigneur. Oui, Père, que ta grâce et ta miséricorde reposent sur chacun de nous, Père. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous lave de tout, Seigneur Jésus, Père. Quelle qu'en soit la puissance des ténèbres, quelle qu'en soit, Seigneur Jésus, que ton sang, Père, parle en notre faveur et nous justifie encore davantage, Père, afin de nous équiper, Seigneur Jésus, Père, pour ce combat, Seigneur. Père, c'est une instruction que tu nous as donnée. C'est une instruction que tu nous as donnée, Père. Et nous voulons, Père, avoir une longueur d'avance, une victoire, Père, Seigneur, sur ces puissances des ténèbres qui s'opposent, Père, à la parole, qui se pose, Père, à ce que la parole aille jusqu'aux extrémités de la terre, qui se pose à ce que, Père, la parole touche et transforme les vies. Père, Seigneur, nous implorons ta grâce, Seigneur, afin que tu viennes fortifier chacun de nous. Tu viens nous fortifier, Seigneur Jésus, dans ce combat. Père, j'implore ta grâce et ta miséricorde, afin que tu puisses prendre le total contrôle, Seigneur Jésus. Que ta grâce, que ta miséricorde, Père, repose sur chacun de nous, Père. Que ta grâce et ta miséricorde, Père, repose sur chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta grâce et ta miséricorde reposent sur ton peuple. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta grâce et ta miséricorde reposent sur chacun de nous. Que ta grâce et ta miséricorde, Père, reposent sur chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier en tendant les mains vers le drapeau, mes bien-aimés. Nous allons prier pour en tendant les mains vers le drapeau. Vous suivez, mes bien-aimés. Amen. Souvenez-vous que ça, c'est un combat. Vous suivez, mes bien-aimés. Amen. C'est un combat. La première fois que je me suis attaqué, lorsque, la dernière fois que j'étais à l'ouest, j'ai prié dans cette direction-ci-là. Et souvenez-vous que quand on dit combat, vous comprenez. Amen. Vous comprenez, non? Oui, est-ce qu'on a besoin d'expliquer? Il y a le coup de poing. Voilà. Il y a des échanges. Donc, pareil. Nous allons prier parce que nous voulons le Seigneur, que c'est le moment de la manifestation des dons. Et lorsque tu pries, tu penses à toi et à ton ministère. Il ne faudrait pas, lorsque tu veux exercer ton ministère, il y a des puissances des ténèbres qui s'opposent. Amen. C'est dans ça que nous travaillons. Vous suivez, nos mes bien-aimés. C'est dans ça que nous travaillons. Nous allons commencer dans la région de l'extrême nord. On va soumettre toute la région de l'extrême nord sous la puissance du Saint-Esprit. Et que tous ceux qui sont destinés à croire, que le Seigneur dispose le cœur. S'il y a n'importe quelle puissance des ténèbres qui maintient le cœur dans l'endurcissement contre la parole, que cela tombe. Amen. 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 Que cela tombe et que le Seigneur dispose, ouvre le cœur pour le réveil dans la région de l'extrême nord. Nous pouvons prier, mes bien-aimés. Amen. Nous prions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous soumettons la région de l'extrême nord. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute la région de l'extrême nord. Dans ce pays, le Cameroun. Nous soumettons toute la région de l'extrême nord. Sous la puissance du Saint-Esprit maintenant. Sous la puissance du Saint-Esprit. Sous la puissance du Saint-Esprit. Sous la puissance du Saint-Esprit. La région de l'extrême nord. Avec tous ses départements. Tous ses arrondissements. Tous ses villages. Tous ses beaux pères, Seigneur Jésus-Père. Nous soumettons cela maintenant. Sous la puissance du Saint-Esprit maintenant. Sous la puissance du Saint-Esprit maintenant. Afin que quelle qu'en soit la puissance des ténèbres. Quelle qu'en soit la puissance des ténèbres. Qui se lèvera contre la parole du Seigneur. Qui se lèvera contre le réveil. Que cela tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela tombe au nom de Jésus-Christ. Que cela tombe au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui se pose à l'évangélisation. Qui se pose à la parole du Seigneur. Nous te renversons au nom de Jésus-Christ. 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 Tous les peuples. Toutes les personnes qui sont destinées à croire dans la région de l'Esprit-Nord, nous soumettons le cœur, le passé, le être, la puissance du Saint-Esprit maintenant. Quelle qu'en soit la puissance de ténèbres qui règne dans leur cœur, j'ordonne à toute puissance de ténèbres dans leur cœur de tomber au nom de Jésus-Christ, de tomber au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute puissance de ténèbres dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, elle dispose le cœur de tous ceux qui sont destinés à
l'Espagne. Voilà la région de l'Espagne. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Nous descendons dans la région du Nord. Amen. Avec le même sujet. Que le Seigneur identifie ses enfants. Quel qu'en soit la puissance des ténèbres qui est attachée à leur cœur pour endurcir le cœur, pour maintenir le cœur dans le raisonnement, que cela tombe. Et que le Seigneur dispose le cœur pour le réveil. Afin que lorsqu'il va envoyer ses serviteurs qui n'ont aucune résistance des puissances des ténèbres, nous prions. Ça, c'est le Nord. Nous sommes le Nord. Le Nord. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Je crois en la région du Nord. La région du Nord.
nom de Jésus. Dans l'Adama ou maintenant. Amen. Dans l'Adama ou.
On parcourt toujours. Au nom de Jésus. Dans le même titre. Tout puissant des ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la région de la Tawawa. Reçois la puissance de tes ténèbres. Reçois la lumière du Seigneur pour partout dans les régions maintenant. Dans quel qu'en soit les départements. Quel qu'en soit les arrondissements. Quel qu'en soit les villages. Que la lumière du Seigneur pour partout. Que la lumière du Seigneur parcourt et identifie tous tes enfants, Père, identifie tous tes enfants dans la région, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel qu'en soit la puissance des ténèbres, qui s'élèvera contre la parole de Dieu, j'ordonne que cela tombe au nom de Jésus de Nazareth. J'ordonne que cela tombe. J'ordonne que cela tombe. J'ordonne que cela tombe. Quel qu'en soit la puissance des ténèbres, l'esprit de rébellion, l'esprit d'endurcissement, l'esprit de raisonnement dans la région de la Nawawa, que cela tombe au nom de Jésus de Nazareth. Aucune résistance à la parole de Dieu, aucune résistance à la puissance du Saint-Esprit dans la région de la Nawawa, au nom de Jésus de Nazareth. Le prix de votre pouvoir, le prix de votre œuvre, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Aucune résistance à l'évangile. Aucune résistance à l'évangile. Seigneur, marque le sort des enfants. Que tous ceux qui sont destinés à croire dans la région, mais marque-le de ton sceau. Marque-le de ton sceau. Dans les familles, dans les rues, dans les champs, marque-le de ton sceau. Au nom de Jésus de Nazareth. Marque tes enfants. Marque tes fils. Marque tes filles. Marque les mamans. Marque tous ceux qui sont destinés à croire. Au nom de Jésus. Que la puissance de Jésus s'ouvre au nom de la région de la Damasco. Au nom de Jésus. Que les cœurs s'ouvrent à l'évangile. Dispose les cœurs. Dispose les cœurs. Dispose les cœurs. Nous proclamons le réveil. Nous proclamons le réveil. Dans toute la région, dans tous les départements, dans tout l'arrondissement, dans tous les villages et les villes, nous proclamons le réveil. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Dans toute la région, nous sommes dans la région de l'Est. Amen. Amen. Soyez fortifiés. Amen. Nous prions. Nous continuons dans la même direction, la même lancée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Jésus.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Je soumets la région de l'Est. Je soumets la région de l'Est. Sous la puissance de cet esprit. Sous la puissance de cet esprit. Sous la puissance de cet esprit. Seigneur vous fortifie. Amen. Nous tombons à l'ouest. Amen. La région de l'ouest. Souvenez-vous, la région de l'ouest a été choisie comme une porte d'entrée de réveil. Et les puissants des ténèbres qui sont là-bas ne donnent pas le lait. Prions, afin que le Seigneur puisse œuvrer là-bas et que les cœurs des gens s'ouvrent au réveil. Que les esprits, l'esprit familial, les coutumes là, que cela tombe. Aucune résistance à la vérité dans la région de l'ouest. Nous prions. Dans le Père. Père, nous sommes à la région de l'Ouest. La région de l'Ouest. La région de l'Ouest. Nous sommes dans 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 la région de l'Ouest.
Nous sommes à la cinquième région. Souvenons-nous que pendant les 21 jours en octobre, ça a porté des fruits et c'est dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est là. Notre travail n'est pas vain. Amen. Amen. Et ça porterait toujours de fruits parce que nous sommes dans la victoire. Amen. Nous combattons dans la victoire. Amen. Amen. Nous partons maintenant au nord. Au nord-ouest. Amen. Amen. Au nord-ouest. Nous faisons le même travail. Dans cette région qui est en guerre et que la puissance des ténèbres a maintenu là-bas, nous parcourons cette région. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Non,
Amen. Le sud-ouest maintenant, le même travail. Le sud-ouest, nous prions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je soumets la région du sud-ouest sous la puissance de cet esprit. Que le Saint-Esprit parcourt cette région. Que la lumière parcourt cette région. Que la lumière parcourt cette région. Que la lumière parcourt cette région. Je prie au nom de Jésus.
aucun résistance dans la vérité. Aucun résistance dans la parole. Aucun inconscient là. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La région du littoral. Nous soumettons la région du littoral pour nous réveiller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soumettons toute la région du littoral. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soumettons toute la région du littoral. Soumettons toute la région du littoral. C'est la lumière 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 du littoral. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous prenons le sud. La région du sud. Nous faisons le même travail.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Amen. Amen. On prend la dernière région qui est beau, d'où nous sommes actuellement, le centre. Père, que sous le sens des ténèbres. Get out of the way!
Seigneur, merci pour le Cameroun. Merci pour le réveil. Merci pour les miracles de produits. Merci pour les miracles de produits. Merci pour les familles restaurées. Merci Père. Merci Père. Merci pour les miracles. Que toute ta gloire te soit rendue. Merci Seigneur, la restauration du Cameroun. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Jésus a triomphé. Je t'en de résistance. Et du jour il m'a libéré. Si Dieu tout puissant, tout mon âme.
Merci pour cette instruction qu'il nous a donnée. Disons-lui merci pour le combat qu'il fera pour nous. Mais merci. Merci Père Seigneur pour ce message que tu nous as donné. Merci Père parce que tu permets que nous ayons une longueur d'avance Père sur la puissance des ténèbres. Mais merci Père. Merci Seigneur pour le combat. Parce que c'est toi qui combats en nous. C'est toi qui combats pour nous. C'est toi Père qui envoiera des enfants. C'est toi Père. Oh Seigneur, merci pour le cadeau. Merci Père pour cette région. Merci pour cette département. Merci Père pour cet arrondissement. Merci pour ce village, cette tribu qui sera Père. Merci pour les familles que tu vas visiter. Merci pour les familles que tu vas visiter. Merci pour les familles que tu vas restaurer. Merci Père. Merci Père pour la grande portion au tambour. Merci pour la grande portion au tambour. Merci pour la portion dans les familles. Merci pour la portion dans les vues. Merci Père. Mais voici pour la grande moisson. Merci pour cette grande moisson. Merci pour cette grande moisson. Merci Père. Merci Père. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Que toute douleur, la gloire, la puissance Seigneur, te soit infiniment rendu Père. Merci pour l'œuvre que tu fais et pour l'œuvre que tu feras encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Souvenons-nous du mois d'octobre. Au mois d'octobre, on a commencé avec ce 21 jours pour le combat. Et aujourd'hui, nous voyons tous les fruits. Amen. Amen. Nous voyons le fruit. Notre combat n'est pas vain. Ça fera en sorte que lorsque demain vous serez quelque part d'où le Seigneur va vous envoyer, vous saurez que le Seigneur avait pris une longueur d'avance. Il a dit, on fait un peu, il fait grand. C'est-à-dire qu'on obéit juste aux instructions, il fait grand. Et voilà une instruction qui a été donnée. Et nous avons obéi à cette instruction. Le reste, c'est à lui. Amen. Souvenons-nous, le reste est au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie davantage. Si le Seigneur vous met à cœur de persévérer à l'intérieur, dans vos maisons, persévérez-y. Parce qu'il sait pourquoi il le fait. Amen. Parce que le Seigneur va vous envoyer quelque part. Et il faudrait que, déjà, lorsque vous arrivez quelque part, qu'on parle. Parce qu'on dit ceci là, à l'époque des premières églises primitives, on parle de 3000 âmes. On parle de 5000 personnes. Et on dit, le Seigneur veut faire les choses 7 fois plus. 7 fois plus. 7 fois plus. Raison pour laquelle nous avons du travail. À l'époque, la manière qu'il y avait la perversion, la génération était perverse et corrompue. Mais cette terre-là, ça s'est encore amplifié. Ça s'est plus amplifié parce que c'est la dernière heure. L'ennemi a multiplié la distraction, il a multiplié l'impureté, il a multiplié tout. Ça pense que notre travail aussi doit être redoublé. Vous suivez, non, mes bien-aimés. Notre travail doit être redoublé. Que le Seigneur fortifie chacun et que le Seigneur fortifie chacun dans son ministère. Amen. Pour que la manifestation des dons soit palpable. Souvenons-nous que si le Seigneur vous a donné un don de guérison, le but n'est pas la guérison. Le Seigneur a juste attiré par la guérison pour faire quelque chose derrière. Amen. Si après la guérison, le cœur est fermé à l'évangélisation, la personne ne suit pas en enfer. À la parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça ne servira à rien de guérir quelqu'un et il ne croit pas. Le but n'est pas de guérir. Si tu te guéris et que tu restes dans ton incrédulité, non, ce n'est pas bon. Raison pour laquelle, lorsqu'on attaque cette puissance-là qui maintient les cœurs dans l'incrédulité, il faudrait que, lorsque les miracles se passent, que les gens ne sont pas incrédules autour. Amen. Lorsque le Seigneur, tu vas arriver quelque part, même dans ta propre famille, que lorsque ce Seigneur va passer, que ce sont eux qui disent que non, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce témoignage-là. Mais pour cela, il faudrait que les cœurs soient libres, que le raisonnement-là tombe.
Vous suivez nos mes bien-aimés. Donc, on rend grâce infiniment au Seigneur pour cette instruction qu'il nous a donnée et qui permet aujourd'hui que nous puissions commencer à travailler. Parce que c'est le début d'un long processus. Souvenez-vous de cela, c'est le début d'un long processus. Il serait probable que lorsque vous soyez dans votre ministère et que le Seigneur vous met à cœur de descendre dans tel village ou dans tel endroit, vous savez d'accord qu'à la veille, vous devez prier pour ce village d'abord. Amen. Vous suivez, non? Amen. Que vous avez, c'est juste le début d'un processus. Amen. Quand le Seigneur dit « descend à l'ouest », tu ne te lèves pas comme ça pour dire qu'on a dit qu'on descend à l'ouest. Il y a une préparation pour ce peuple de l'ouest. Donc, c'est le début d'un processus. Toutes les fois que le Seigneur va te mettre à cœur, va visiter telle personne, va visiter telle famille. On ne se lève pas seulement pas. Il y a d'abord la prière pour avoir la victoire au-dessus. Vous suivez, non, mes bien-aimés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Mon bien-aimé, frère Anissé, tu as la parole. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. C'est qui nous fortifie surtout. Amen. Car il nous a rappelé le mois d'octobre. Alléluia. Ça n'a pas été facile. Qui fortifie les genoux languissants. Amen. Quelqu'un a tient un témoignage. La gloire de Dieu. S'il n'y a pas besoin de nous recommander entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Il est la voix pour nous. Alléluia. Amen.